Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment que je suis rentrée de vacances, donc au début septembre, que j'ai pas tourné de vidéo. Même si j'en avais en stock que j'ai posté, mais ça fait un moment que j'avais pas tourné de vidéo. Donc je voulais vous montrer les deux memory decks que j'ai faites pour Elena, pour Nanou Scrapatouille. Donc c'est pour le challenge. Hashtag Memory Dex Mania sur Instagram. Donc, je vous avais dit à chaque fois qu'on s'échangeait les Memory Dex. Donc du coup, là, j'ai fait la Memory Dex de septembre. Donc le thème, c'était Fall, automne. Et j'ai fait celle-là de d'août. C'était photo. Je ne voulais pas montrer, mais je ne vais pas l'envoyer parce que c'était une photo personnelle. Et du coup, celui-là, je vais pas lui envoyer. Ces petits souvenirs des vacances quand j'étais chez Séverine Batista. Donc du coup, celle-là, je vais la garder. Mais bon, vous pouvez la voir sur mon Instagram. Donc celle-ci, je l'ai faite avec les dice de Yuxian. Donc le dice Memory Dex avec une ouverture. Donc là, c'est la collection Canela. Mintopia. Je crois que c'est Hans Miles. Je crois que c'est ça. Donc ça, c'est le papier calque aussi de la collection. Et ça aussi, c'est un checker de Yuxian, mon partenariat. Et la boutique, je ne sais pas si je vais retrouver le lien. C'est Mango Craft sur AliExpress. Je vais voir si je retrouve les liens. Je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà. J'aime bien cette collection. Il y a un peu de rose au ton pastel. Je fais une petite fleur. J'ai mis du petit gel pailleté dessus. On a du fil doré. Donc celle-ci. Et alors, octobre, bah, c'est bien évidemment, c'était Halloween. Alors là, je suis partie sur les couleurs orange et noir. C'est pas ce que je préfère, mais cette collection Hey Pumpkin de Crate Paper, je l'aime bien. Donc du coup, je me suis dit je vais la faire comme ça en noir et blanc, surtout qu'en ce moment je suis en train de faire un. J'ai un échange de prévu. Et je suis plutôt aux couleurs pastel. Donc je me suis dit j'ai fait une memory dex au ton orange et noir. Donc du coup j'ai cousu. Hein. Là, la Memory Dex, donc c'est papier de la collection. Là, c'est un dice tombe. Donc, je l'ai fait en argenté, holographique. Donc, là, une petite découpe. Là, y est. Mes petites araignées que j'adore en mettre. Ça, j'avais acheté ça aussi sur Tonton Ali dernièrement. Un petit fantôme. Je crois que c'est un. Je crois que c'est pour les ongles. Bon, en tout cas, je pourrais le mettre sur mon ongle. Mais parce que c'est tout petit. On me demande si c'était pas vraiment exprès pour les ongles. Donc là, découpe de la collection. Un petit bout. Donc là, c'est un sticker de la collection. Qui est argenté. Petite étoile aussi que j'avais acheté sur Tonton Ali. En noir pailleté, c'est joli. Là, j'ai fait une petite bannière avec une paille. J'ai acheté aussi la paille dernièrement. Paille Halloween. Mignon, hein? Et deux pompons orange. Et mon tulle. Donc voilà. Automne et Halloween. Voilà. Si vous voulez participer, ben faut mettre le hashtag MemoryDexMania sur Instagram quand vous postez vos publis pour qu'on puisse les voir. De toute façon, je vous posterai ça bientôt, en fait, en octobre. Je suis un peu en retard. En ce moment, je scrape moins. Je suis sur le truc de Halloween, mais j'avoue, j'avance pas vite. J'ai pas retrouvé mon rythme d'avant et je pense que je vais pas le retrouver. Mais donc voilà. Bon, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à vous abonner. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!